Buenos días les amis, aujourd'hui 97e jour de l'aventure réveil à San Cristóbal de las Casas. J'ai gardé mes lunettes, c'est surtout pour le style et puis aussi parce que je suis pas encore très bien réveillé. Mais malheureusement aujourd'hui le temps n'est pas du tout de la partie, nuages partout, il pleut un petit peu, une toute petite pluie fine mais il pleut. Donc on a longuement hésité avant de prendre notre décision ce matin. On avait en tête l'idée de visiter un canyon, il y a un très beau canyon apparemment qui est à 1h30 d'ici. Le canyon se trouve dans les plaines, on est en montagne ici, on est un petit peu en altitude. Donc logiquement, on vient de regarder la météo, logiquement, au canyon, il devrait faire beau. Logiquement, j'ai bien dit. Donc nous avons décidé de prendre le risque d'y aller quand même. Et à la base, on voulait y aller en scooter, louer un scooter, faire une belle petite balade jusqu'au canyon et faire un petit tour sur la rivière en bateau. Malheureusement, voilà, on va pas prendre de scooter aujourd'hui puisque le temps est vraiment pourri, en tout cas dans cette partie-là de San Cristóbal, dans la région de San Cristóbal. Donc on va essayer de trouver un colectivo, un transport en public pour aller jusqu'à Tuxtla Gutiérrez, le début du parcours en bateau pour découvrir le canyon. Normalement, on n'est pas très loin. Bon, c'est un peu à l'arrache, hein, notre organisation, mais on va quand même essayer. Buenos días, Madeleine. Ça va, t'es bien équipé? Oui, c'est froid et pleut. Mais il va faire chaud là-bas normalement. Hein. Allez, on garde espoir. Ok, normalement. Keep hope. But I can always take a close up. Touche-la. Touche-la. Si. Madeleine, t'es contente d'être venue pour rien? Oui, c'est super beau, mais les bateaux sont fermés. Les bateaux sont fermés? Ouais. Maybe peach? Peach, you think? Alors, comme vient de vous le dire Madeleine, elle est morte de rire parce que ça fait 2 minutes que je parle à la caméra, mais j'avais oublié d'appuyer sur le bouton, donc en fait je n'enregistrais pas. Je recommence. Comme Madeleine vient de vous le dire, il n'y a plus de bateau. Je vous l'ai dit, on est parti un peu à l'arrache ce matin, même si on avait lu quand même hier soir quelques blogs sur internet. Alors peut-être que c'est à cause de la période Covid et qu'il y a moins de bateaux. Bref, toujours est-il qu'il n'y a plus de bateau après 13h. Le gars nous a dit, ah non, faut revenir demain matin, venez vers 8h, de 8h à 1h. Il y a des bateaux qui partent. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation? Nous, on avait prévu de faire une petite balade en bateau dans le canyon. D'abord, on commence par trouver à manger. Toujours, quand il y a un truc qui va pas, on se pose, on boit un verre, on mange quelque chose. On a tout de suite les idées plus claires. Donc on vient de se trouver un restaurant. On est juste à côté de l'embarcadère, hein. La rivière est juste derrière. On a trouvé ce petit restaurant qui m'a l'air assez familial, bien sympathique. Quelques tables dans le jardin. On vient juste de commander à manger. Et puis on vient de regarder la carte. Il y a un village qui est juste à côté, aller à 4-5 km, qui s'appelle Chiapas Corso ou Chiapas de Corso, qui a l'air aussi assez sympathique. Donc ça va être le programme pour cet après-midi au lieu du canyon. Pour l'instant, nous allons commencer par déjeuner. Alors Madeleine, aujourd'hui c'est le grand jour pour toi, tu vas découvrir le mole. Mole, poulet sauce chocolat avec un peu de riz. Tu sais, un jour, quand quelque chose est une erreur, tu peux manger le chocolat. Ah, tu veux dire quand il y a un truc qui va pas, faut manger du chocolat, c'est ça? Oui. De mon côté, j'ai pris une quesadilla, viande al pastor, fromage, viande, ça a l'air pas mal, c'est une grande quesadilla. Et puis on a à côté un petit mélange de persil, oignons, citron vert, on a bien sûr les petites sauces piquantées qui vont avec, Fanta la pêche, et ici, agua melon. Jules, c'est quoi ça? C'est une deuxième quesadilla. Une deuxième? Elles sont excellentes, c'est la fête. Bah, t'as l'air d'aimer ça toi aussi. Mais finalement, je peux goûter? T'as déjà goûté plusieurs fois, Madeleine. Y tengo esto nuevo. Para mí.
Pepito rojo. Ahí te ve que la melancólica. Gracias, señor. Y señor, ¿usted tiene limón? Sí. ¿Sí? Muchas gracias. Je ne vois rien du tout à ce que je filme, mais je pense que vous me voyez bien. J'ai un magnifique soleil face à moi avec un très beau ciel bleu. Rien à voir le temps avec ce qu'on a vu ce matin à San Cristobal de las Casas. Alors nous sommes arrivés maintenant dans le village de Chiapa de Corso. C'était vraiment tout près, je vous l'ai dit quand on était en train de déjeuner. Ouais, c'est seulement, allez, 3-4 km. On a repris la route principale. Là, il y a un collectivo qui est passé, il y avait écrit Chiapa dessus. On l'a arrêté et allez, en 3-4 minutes, on est arrivé dans le village. Et puis sinon, ce que je voulais vous dire, c'est le déjeuner qu'on s'est fait après l'échec de la visite du canyon. Le resto qu'on s'est fait, plutôt la petite cantine, parce que pareil, encore une fois, on était un peu chez les gens. Les quesadillas que j'ai mangées, elles étaient délicieuses. Officiellement, je déclare meilleures quesadillas du Mexique. Bon, ok, j'ai pas visité beaucoup le Mexique, mais en tout cas, c'est les meilleures que j'ai mangées depuis que je suis arrivé au Mexique. C'était une tuerie. Super bien servi. Parce que des fois, les quesadillas, il y en a des toutes petites là. J'avais demandé avant, il m'a dit, ah non, non, c'est une grande, c'est une pour une personne, ça va déjà bien te caler. Ok, j'en ai pris une deuxième parce qu'elles étaient vraiment délicieuses. J'ai pris à la viande al pastor. Al pastor, je vous l'ai déjà expliqué, hein, c'est cuit sur une broche, comme le kebab en Turquie. Il y avait des petits oignons avec. En plus, il avait ramené sur la table un petit mélange d'oignons et de coriandre, bien sûr, un peu de sauce piquante avec. On a payé au total pour les deux quesadillas, le mollet, le fanta plus la boisson au melon, 220 pesos, ce qui doit faire à peu près dans les 20 euros. C'était une tuerie. Je voudrais dédier ce déjeuner, mais surtout les quesadillas, je voudrais les dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui Agnieszka, Agnieszka de Paris, gros bisous à toi, Antonin, Jean et Jamel AS. Merci infiniment à vous trois pour votre soutien. Careful, it's slippery. Si, si, si. Gracias, señor. Thank you.
Alors, il est comment ce petit chocolat? C'est terrible. Korean food. Jules en Asie ou en Mexique. Regardez les beaux mandous. Alors il fait clairement plus frais ici qu'à Chiapa de Corzo où on était cet après-midi. D'ailleurs on a fait une très belle balade. Village typique mexicain avec sa grande place, ses églises colorées. Le bord de rivière aussi était très agréable. On est rentré ce soir en fin d'après-midi. On s'est arrêté dans un café, on a pris chocolat chaud. Le chocolat évidemment c'est un produit phare du Mexique. Chocolat au lait chaud accompagné de churros avec confiture à l'ananas. Peut-être parmi les meilleurs que j'ai mangé depuis que je suis arrivé au Mexique avec la confiture d'ananas. Rien à dire, c'était vraiment très 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 bon. Et ce soir on a mangé coréen. Alors coréen, japonais en version un peu mexicaine. Mais je dois dire que tout était très bon. Madeleine a adoré aussi. Elle a pris des rainbow rolls, genre de sushi. De mon côté, je me suis pris un kimbap bulgogi, viande bulgogi. Mais surtout en entrée, on s'est pris des mandous. Les mandous, j'adore ça. Si vous êtes sur la chaîne depuis un petit moment et que vous avez regardé les vidéos en Corée, vous savez, les mandous, je m'en fais claquer le bide. Vraiment, j'adore ça. De toute façon, tous les raviolis en général en Asie, que ce soit les momo au Népal, les Xiaolong Bao en Chine ou encore les gyoza au Japon, j'adore ça. Mais c'est vrai que les mandous coréens, ça fait partie de mes favoris. Et ce soir, ils étaient aussi excellents. Le repas, ça a coûté. Avec deux boissons, j'ai pris un thé matcha, Madeleine a pris une limonade. Ça a coûté au total 415 pesos, ce qui doit faire dans les 16-17 euros à peu près. J'ai déjà fait une dédicace cet après-midi au tipper, mais comme le dîner était vraiment excellent, je tiens à refaire à nouveau une dédicace. J'aimerais remercier ce soir Papa Olua, Cédric et Céline, Capt, Picard et Delphine. Merci beaucoup à vous cinq pour votre générosité. Alors le canyon aujourd'hui, c'était l'échec total, mais nous ne sommes pas du genre à baisser les bras. On vient de regarder la météo, normalement demain il fait beau, donc on va essayer de se trouver un scooter demain matin, pas trop tard évidemment, puisque les derniers bateaux, comme je vous l'ai dit, partent à 13h, et puis se faire une petite balade sur la rivière. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Mexique. Ciao, good night.